que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog, hein, comme vous avez pu voir dans le titre. On est au vlog numéro 6 et là, c'est les amis, on est le 15 août. J'ai regardé la date avant de vous dire. Donc, ne cherchez pas le quiz numéro... pas le quiz. Ça commence bien, hein? Ne cherchez pas le vlog numéro 5, j'ai dû le supprimer parce que j'avais montré un diamond painting qui venait de Amazon et une de mes copines, je dirais pas son nom parce que je sais pas si elle voulait que j'en parle, mais elle m'a averti que il y avait certains diamond painting qui venaient mettons de chez AliExpress ou de Amazon qu'on n'avait pas le droit de montrer en vidéo parce que des fois ce sont des toiles des images volées et certains artistes ne sont pas rémunérés pour ça. Donc, j'ai dû supprimer mon vlog numéro 5. Je ne veux pas me faire fermer ma chaîne pour du diamond painting, surtout que ce n'est pas ma passion numéro 1. Moi, c'est vraiment le colo. Donc, je suis désolée. J'espère que vous avez eu pas mal tout le temps de le voir, mais je ne pourrai pas le republier. Donc, c'est pourquoi je vous ai fait un vlog numéro 6 assez rapidement. Je sais que vous aimez ça. Donc, on va commencer tout de suite. On va passer plein bureau. Je suis sur un colo. Je vais faire un peu de colo avec vous. Ensuite, cette semaine, j'attends des réceptions. J'ai fait quelques petits achats. J'ai tout regroupé ça. Je vais vous montrer ça aussi un peu plus tard dans le vlog. Et après ça, ben, pour le reste, je sais pas ce que je vais mettre. Mais je vais essayer d'être intéressante. Donc là, on passe plein bureau et on va faire un petit peu de colo ensemble. Donc, je suis présentement dans mon Saga Roxanger. Vous savez que j'adore ce livre. J'y prends toujours du plaisir à colorier. Il n'y a pas une image que j'ai pas envie de mettre en couleur. Et à chaque fois que je colore dedans, je choisis soigneusement mes couleurs. J'y vais tranquillement. Donc là, j'ai décidé de faire cette image-là parce que j'ai eu une idée pour faire mon fond. Je vais probablement le faire avec vous dans le vlog, là. Je vais l'avancer le colo et je vais essayer de vous faire le fond avec vous. Ce que je veux faire, c'est utiliser mes pastels comme ceci, Paul Rubens, vous savez, les nacrés, vous avez été beaucoup à les aimer et à vous les procurer aussi. Donc, je veux faire un petit fond avec, justement, parce que ben vous avez été beaucoup à vous les procurer. Donc, j'ai envie de vous montrer un peu comment je vais les utiliser. Ce que je veux faire, c'est faire comme si le parfum des deux bouteilles ici avait sorti un petit peu comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pastel à l'huile nacrée et je vais tout simplement venir frotter ici, promener un petit peu mon effet de parfum et sur l'autre côté, faire la même chose. Et après ça, faire le fond d'une autre façon. Donc, c'est un peu l'idée que j'ai. Et là, pour les deux bouteilles, hein, vous savez, moi qui dis bouteille, dit Derwent Intense. Donc, je vais utiliser du Intense. Je vais aussi probablement vous montrer ça au travers du vlog. Donc là, on va continuer un petit peu ensemble. Je ferai pas trop de colo non plus, hein, parce que j'ai d'autres choses à vous montrer. Donc là, je vais mettre quelques petites touches de Pentel Hybride. Je vais utiliser celui qui est bleu mauve. J'aime bien faire ça dans le Saga Oxygener, me mettre des petites touches avec du stylo gel. Et j'adore les Pentel Hybride, donc j'aime bien les utiliser. Donc, vous voyez, je vais utiliser celui-ci comme, mettons, pour des petits éléments. Je ne vais pas faire des grandes zones non plus, mais j'ai envie qu'il y ait une petite touche de Pentel Hybride parce que je trouve que c'est super joli le fait qu'il change de couleur. Vous voyez, c'est comme un bleu mauve et quand on le bouge, là, moi, vraiment, j'adore ces stylos gels-là. C'est les meilleurs, selon moi. Je vous les mettrai en barre d'infos pour ceux qui auraient envie de se les procurer. Je vous dis, moi, depuis que j'ai utilisé ces stylos gels-là, il n'y a pas question que je prenne d'autres stylos gels. C'est eux mes préférés. J'ai les ceux de Sakura aussi, là, mais vraiment... Je sais pas. Moi, j'aime bien l'effet de brillance, que ça change de couleur. Je trouve que c'est spécial. Donc, voilà pour le petit... la petite parenthèse stylo gel. Je pense que j'en avais déjà parlé, hein, de toute façon. Et là, j'ai enfin fini Colorions Ensemble. Ça a été long ce mois-ci. Je vous ai tourné aussi la nouvelle palette de couleurs. Donc, ça sera sur la chaîne probablement avant que vous voyez ce vlog-ci, parce que c'est quand même assez long à monter le vlog, parce que des fois, je vais vous prendre quelques images
Et je ramasse des images et après ça, ben, je monte le vlog. Parce que c'est pas évident d'avoir un vlog intéressant tout au long. Donc, j'essaie toujours d'avoir un peu de contenu un peu avant de commencer les vlogs. Donc, mettons, quand je vais faire du magasinage, ben, des fois, je vais prendre des images, je vais filmer la partie où est-ce que je pars pour le magasin. Et ensuite, ben, j'attends d'avoir autre chose. Puis, un coup que j'ai pas mal d'images, ben là, je peux monter le vlog. C'est un petit peu de cette façon que j'y procède. Et là, je vais commencer une nouvelle série aussi sur Netflix. Je vais vous montrer ça un peu plus tard dans le vlog. Là, on est en plein après-midi. Donc, ce soir, probablement que je vous reprendrai et je vais vous montrer ça. J'ai découvert ça sur Netflix. Je ne sais pas si ça fait super longtemps que c'est sorti. Je pense pas. Mais c'est une petite série d'horreur, je crois. C'est comme des films. Mais chacun des films dure trois, pas 3 heures, il dure 2 heures et ben, c'est une série d'horreur. Et il y a trois parties. Est-ce qu'il va en avoir plus? Je ne sais pas, là, mais à date, il y a trois parties. J'ai bien envie de commencer ça ce soir. Donc, je vais probablement colorier au salon et je vous montrerai ça. Je vais essayer de vous montrer la télé avec Netflix pour vous montrer la série. Ah, je ne vais pas écouter la série dans le vlog, hein? Mais je vais quand même vous montrer. Bon, vous verrez, hein? On essaiera quelque chose. Bon, j'ai dû arrêter quelques moments là. Du coup, je ne sais plus du tout de quoi je vous parlais. Je sais que j'étais en train de faire le stylo gel, mais de quoi je parlais, je ne sais plus. Donc là, je vais pas faire tout le stylo gel parce que j'ai l'intention de faire tout ce qui est bon. Petits détails comme sur la tasse, ici, peut-être en mettre un petit peu sur les boules. En tout cas, je vais voir au fur et à mesure, mais je vais utiliser celui-là partout dans mon colo. Et là, avant de arrêter le colo, comme je vous ai dit, je ne vais pas le faire au complet avec vous, hein, puisque j'ai d'autres choses à vous montrer. Je vais faire au moins une bouteille avec vous, avec les Derwent Intense, pour que vous puissiez voir ben, ce que je vais faire tant qu'à faire. Donc là, je vais choisir mes couleurs d'Intense parce que je dois faire des tests et ben, je vous reprends après. Donc, j'ai choisi mes teintes. J'ai pris par contre un Supracolor 2 de Caran d'Ache parce que j'arrivais pas à trouver le pâle que je voulais. Donc, j'ai pris le Dark Purple des Derwent Intense qui est le 750 ainsi que le Deep Violet qui est le 760 et je vais compléter avec celui-ci. Donc, je vais commencer à appliquer mes couleurs pour faire mon petit parfum, petite potion. Donc, je vais commencer avec le 750. Je vais en mettre grossièrement, hein, c'est pas besoin de l'appliquer à la perfection puisque ben on va aquareller et c'est au moment d'aquareller que le travail va se faire. Donc, je vais en appliquer un petit peu de cette façon-là. Dans le bas, surtout parce que je veux que ça soit foncé dans le bas. Là, vous voyez, hein, je fais juste en mettre un petit peu dans le haut. Je vais dégrader un petit peu là, pour essayer de mélanger ça avec la prochaine couleur que je vais mettre. Je vais continuer avec le 760. Et là, je vais compléter avec mon Supracolor 2 qui est le Periwinkle Blue 131. Ceux-là, je les ai pas tous, hein. Je les ai achetés à l'unité. J'en ai acheté quelques-uns qu'il y avait chez Michael. De toute façon, ils n'ont pas toute la gamme. Mais bon, j'ai pris ce qu'il y avait. Et je trouve que ça complète bien les Derwent Intense, parce que des fois, il y a des couleurs qu'on n'a pas, qui sont pâles, qu'on a besoin hein, pour faire les dégradés. Donc, soit que j'utilise ceux-là, que j'ai quelques-uns à l'unité, ou les Albrecht Dürer que je n'ai pas complet non plus. J'en ai quelques-uns à l'unité. Donc, je les mélange souvent avec les Derwent Intense. Donc là, je vais aquareller tout ça. Hein. Vous avez vu, je ne me suis pas très, très appliquée. C'est juste la façon que j'ai appliqué mes couleurs. Donc, je vais utiliser un pinceau réservoir d'eau ainsi que ma petite lingette que Mimi m'a offert.
Donc, je vais commencer dans mes couleurs les plus pâles. Je ne vais pas aller tout de suite dans le foncé. Et là, je n'hésite pas à souvent venir nettoyer mon pinceau parce que je ne veux pas avoir de foncé dans le pâle. Donc là, vous voyez, hein, je descends le foncé dans le pâle dans le foncé et non pas le contraire. Vous avez déjà fait un tuto là-dessus sur la façon que je faisais mes petites bouteilles de parfum, petites fioles. Je crois que j'avais pas fait en mauve, par contre. Je crois que j'avais fait en doré, si je ne me trompe pas. J'essaierai de vous trouver ça et de vous le mettre dans le petit. Je vais montrer un petit peu ma couleur et je vais tout de suite venir retravailler. Donc, je crois que je vais laisser ça comme ça. Peut-être essayer de pousser un peu à ce niveau-là. Et là, ben, je vais décorer tout ça avec du stylo gel. Et du sticule, hein, quand j'aurai tout terminé. C'est sûr que je vais reprendre un peu ma bouteille. Je vais venir faire un effet de verre aussi. Donc, je vais faire la même chose pour l'autre bouteille. Je vais les faire à peu près dans le même style, avec les mêmes couleurs. Donc voilà un petit peu c'est quoi je veux faire pour le colo. Après ça, ben pour ce qui est des feuilles, hein, je vais mettre du vert. Elle, cette fleur-là, j'ai l'intention de la mettre en blanc avec ainsi que ceux qui sont ici. Donc je vais m'avancer dans mon colo. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ensuite, ben là, ça se peut bien que j'ai mon colis demain, donc je devrais vous montrer ça demain. Et là, je ne sais pas si je vais pouvoir recommencer ma série d'horreur comme je vous avais parlé tout à l'heure, parce que là, mon fils a décidé qu'il écoutait sa série au salon. On a recommencé à écouter la série des Sons of Anarchy ensemble. Moi, ça doit faire au moins 50 fois que je la vois, cette série-là. C'est la meilleure série au monde. Pour moi, en tout cas. Donc, ben là, je pense que je vais attendre à demain pour commencer la série que je vous ai parlé, que je voulais vous montrer. Donc, ouais. Alors, je vais vous reprendre demain. Je vous montrer un petit peu l'évolution de ce colo-là parce que ben, je vais aller colorier au salon pour m'avancer un petit peu. Et ben, je vous montrerai ça demain. Et c'est certain que je fais le fond avec vous. Donc, voilà. Alors, ça va s'arrêter là pour la journée du 15. Donc, je vous reprends un peu plus tard. Donc là, les amis, je suis sur mon départ. Je m'en vais au parc à chien avec mon chien, bien sûr. Et je vais vous filmer ça. Donc, c'est parti! Donc, je vous reprends finalement 2 jours plus tard. On est maintenant rendu le 17 août. Donc, j'ai terminé mon colo de Saga Oxiner. Il me reste le fond à faire. Donc, je vous avais dit que je le ferai avec vous.
Donc, je vais le faire et bon, il me reste un peu de contournage à faire, mais imaginez-vous donc que j'ai perdu mon Posca. Mon Posca blanc, j'ai cherché partout, je le trouve plus nulle part, je sais pas ce qui s'est passé, c'est volatilisé ou j'ai commencé à faire de la magie, je sais pas. Mais bon, je vais devoir contourner avec mes uniballs, mais je pense qu'ils sont tous séchés. Parce que oui, les uniballs sèchent quand on ne les utilise pas. Moi, avant, il n'y avait pas le temps de sécher parce que je les prenais tout le temps, mais maintenant, je prends toujours mon Posca. Et j'ai même beau chercher, je ne le trouve pas. Donc là, je vais essayer de me débrouiller avec ce que j'ai, sinon je vais devoir aller acheter un Posca. Donc, je vous reprends plan bureau, je vais faire mon fond avec vous, et ensuite, je vais vous montrer mes réceptions que j'ai eues, pour ça que j'ai attendu aussi, parce que bon, ça s'est étendu sur 2 jours, et je voulais tout vous montrer en même temps, donc là, j'ai tout reçu, donc je vais vous montrer ça, on passe plan bureau tout de suite. Donc, avant de regarder les achats, je vais terminer ce colo-là. Et je vous montre ça après. Donc, vous avez parlé hein, que je voulais faire un petit effet avec mes pastels de Paul Rubens. Parce que, bon, je vous les ai montrés en vidéo quand je les avais reçus. Je vous les avais swatchés. Mais j'ai jamais rien fait avec. Et je sais que vous êtes beaucoup à les avoir commandés. Donc, je me suis dit, ben ça pourrait être bien de faire quelque chose avec en vidéo. Bon, OK. C'était dans l'une. Donc, ce que je veux faire, bon, ce que j'avais comme idée, finalement, c'est de faire comme si, bon, les petites bouteilles de parfum ici avaient été pressées pour que le liquide sorte. Donc, je vais mettre un peu de mauve au travers ici et un peu comme ça. Et après ça, je vais changer de couleur. Je ne sais pas si je vais tout faire avec mes Paul Rubens nacrés parce que j'aimerais que ce soit juste les parfums qui sont nacrés, donc peut-être que je vais continuer avec un autre matériau. Là, on va commencer par faire ben, les trucs là, qui sortent des bouteilles. Donc, je vais utiliser, là je vais être tout beurré parce qu'elles sont vraiment, vraiment grasses. Donc, je vais commencer avec cette couleur-ci. Donc, je peux vous dire le numéro parce qu'il y en a un. Il me semble bien que j'avais dit qu'il y en avait un. Il me semble... Quand je les avais présentés, il me semble que j'avais dit qu'il y avait un numéro. Ouais. 419 celui-là. Donc, dans le fond, c'est un peu du violet. Hein? C'est le plus foncé qu'il y a dans la boîte de 36. Ça, c'est bien ça. Ouais. Donc, là, moi, je veux que ça soit quand même assez intense. Donc, je vais venir colorier tout de suite sur mon papier. Et je vais l'étendre après avec mon doigt. Puis, si j'y arrive pas avec mon doigt, bien, je vais y aller avec un petit tambour. Donc là, je vais vraiment y aller doucement parce que je veux quand même contrôler où est-ce que ben, la fumée, ben pas la fumée, mais la brume de ma bouteille sort. Donc, je vais en mettre un petit peu comme ça. Peut-être de même. Et là, je vais venir l'étendre au doigt. Je vais essayer. Hein. Si ça ne fonctionne pas, je prends mes embouts. Parce que des fois, au doigt, c'est pas toujours super précis. Ils s'étendent bien, hein? C'est pas ça le problème. C'est juste que des fois, c'est plus facile de contrôler où est-ce qu'on veut mettre la couleur si on y va avec les petits embouts. Donc là, je crois que je vais en rajouter un petit peu. Par-dessus, je vais venir tout de suite le frotter. Oups, je suis en train de l'échapper. On va s'étendre un petit peu. Donc là, pour ben, l'autre côté, je crois que je vais changer de mauve. On va faire comme si les brumes dans les bouteilles étaient différentes. C'est bizarre, hein, qu'elles se séparent de même. Je sais pas. Peut-être que je pourrais rajouter un autre mauve mélangé dedans. Ça pourrait peut-être être beau. Oui, c'est ce que je vais faire. Donc là, je vais prendre celui-là, qui est le 470. Grape Myrtille. Bon, je savais qu'il y avait des noms dessus. Sur l'autre, je ne le voyais pas. Donc, je vais le mélanger un petit peu dans celui que je viens d'appliquer. Peut-être beau de mélanger deux couleurs ensemble. Mm-hmm.
Ouais, c'est beau comme ça. J'aime bien. On va mettre un peu ici. Ok, je vais laisser ça comme ça pour cela. Sur l'autre côté, on va mettre une autre couleur. On va y aller avec, mettons... je vais mettre... Je sais pas si je devrais mettre une autre couleur. Je vais peut-être partir avec celle que j'ai mélangée. Et mettre juste une autre couleur dans celui que j'ai parti. Ça, ça c'était vraiment pas clair. Donc, je reprends mon 470. Vous voyez, j'avais commencé avec un mauve plus foncé pour l'autre, mais lui, je vais commencer avec l'autre couleur que j'avais utilisée. C'est ça que je voulais dire. Donc, on va en mettre ici. OK, et là, je crois que je vais mettre un petit peu de bleu dans celui-là. Donc, je vais prendre celui-ci. Qui est le 425, celui-là, et le nom c'est Magic Blue. Je vais en mettre un peu dans mon rose. Ça va me donner du mauve finalement. Hein. Mais un autre genre de mauve. Ok, donc je vais laisser ça comme ça pour ce qui est des aquarelles nacrées, comme je vous ai dit. Je vais utiliser un autre matériau pour continuer le polo parce que j'ai envie que ce soit juste l'endroit où est-ce qu'il y avait les potions. Dans, ben, pas les potions, les parfums, que ce soit nacré. Donc là, je vais utiliser quoi pour faire mon fond? Je crois que je vais aller avec mes pannes pastel. Oui, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais prendre mes pâtes pastel et je vais m'en aller dans une couleur assez foncée. J'ai envie de faire un petit peu, là, je m'entends, je suis en train de sortir du cadre, hein? Je vais m'en aller un petit peu dans du, un peu un ciel de nuit, là. Ben, ciel de nuit. Faire comme si ça serait foncé pour que tous les éléments soient encadrés. Vous allez voir. Donc, là, je vais prendre mes petits outils pour mettre mon pâte pastel. Je vais me mettre des feuilles pour protéger, bien sûr, sur ce côté-ci. Je vais en mettre en dessous. Donc là, je vais commencer avec mon noir, oui. Je vais y aller avec le Black Course, qui est le 014. C'est un pearl medium, vous voyez, il y a des petits brillants dedans. Donc, je vais utiliser celui-là. Là, je vais commencer dans les coins. Ah, qui sentent mauvais ceux-là, vraiment. J'en avais jamais parlé, c'est vrai, mais je parlais de ça à un moment donné avec ma marraine, puis elle me disait, as-tu déjà remarqué que ceux qui sont perlés, les pannes pastels, ou ceux qui ont des paillettes dedans, ils sentent mauvais, puis moi, j'en avais jamais parlé en vidéo, mais c'est vrai qu'ils puent, là. Je sais pas pourquoi les autres, ils sentent pas mauvais, mais ceux-là, là, pfff! Vraiment, ça sent pas la rose, hein. Là, inquiétez-vous pas, là, je l'applique grossièrement comme ça, mais je vais venir le retravailler. Hein. Je vais appliquer d'autres couleurs de toute façon. Là. C'est juste pour délimiter un peu les endroits où est-ce que je vais appliquer celui-là finalement. Parce que là, il n'est pas très bien appliqué. Hein. Il n'y a pas trop de... ben, pas de structure, mais il n'y a pas trop de fondu dans rien. Fait que... Ça fait un peu bizarre comme ça, là, mais on va tout arranger ça. Il est vraiment beau celui-là avec les brillants. Hein. Moi, je pensais que en ayant des pannes pastel comme ça avec des brillants, ça allait comme tout tomber quand on allait le mettre sur le colo, mais non, vraiment, ça reste là les paillettes. Ok, là je vais mettre mon noir de côté. Et cette fois-ci, je vais y aller avec une autre couleur. J'hésite un petit peu. Je sais pas si je mets du mauve ou si je mets du bleu ou si je vais avec du gris pour rester un peu neutre.
Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de rester neutre. Je vais pas m'en aller dans trop de couleurs non plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon autre plaquette qui n'est pas remplie. Je dois, à un moment donné, il faudrait bien que je retourne m'acheter des pannes pastel. Parce que j'aimerais remplir mon rack. Vous voyez, il n'est pas complètement rempli. Mais je ne sais pas quelle couleur aller chercher, donc j'attends. Bon, donc là, je vais utiliser le Paint Gray qui est le 840.3. Là, je vais dégrader mon noir avec lui, hein, parce que comme ça, ça fait un peu bizarre. Donc, je vais partir un peu dans mon noir et je vais dégrader doucement. Et là, il va me rester un travail de blanc à faire, hein, comme je vous ai dit, là. Je cherche mon Posca désespérément. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Je l'ai toujours avec moi, puis là, ben, j'ai perdu mon Posca. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que mon chien l'a mangé. Non, je pense pas, là. Elle mange pas les choses, mais c'est bizarre, là, qu'il soit disparu. Où je l'ai mis en quelque part, je me suis dit je vais le mettre là, puis là, ben, je me rappelle plus du tout ce que j'en ai mis. Puis là, ben, quand j'en aurai pas besoin, je vais le trouver. C'est toujours comme ça. Donc là, je veux que ce soit un peu plus pâle que ça. Je trouve ça un peu bizarre. Je pense que je suis en train de rater mon fond. Mais non. On va l'arranger. Donc là, je vais y aller avec le Twitter, qui est le 921.5. Et celui-là, c'est un... Vous voyez, il est comme un peu pailleté, c'est un, comme un peu un argent. Et là, j'ai changé d'outil, je vais y aller avec mon petit embout. Et là, je disais que je voulais pas mettre trop de panne de pastel à l'huile nacrée parce que je voulais que ce soit juste ça qui était nacré, puis finalement ben, j'ai mis du pain de pastel nacré, hein. Bon, c'est pas grave, je voulais avoir du gris et puis j'ai pas de gris normal, donc peut-être que ça devrait être ce genre de couleur que je devrais aller chercher pour compléter ma palette, parce que j'ai juste des gris métallisés. Donc je peux pas vraiment, j'aurais aimé faire un fond plus neutre. Mais bon, c'est pas grave, hein? C'est joli quand même, même s'il est métallisé. Là, j'essaie de pas accrocher mes éléments. Pas toujours évident. Et là, je crois qu'avant de faire mes effets de blanc, là, comme la cloche de verre, toutes mes fleurs que je veux contourner en blanc, je crois que je vais fixer mon colo parce que sinon, je vais être toujours en train de m'accrocher dans le pan pastel et il va y en avoir partout. Donc, je crois que je vais fixer mon colo parce que mon fixatif, il est retouchable. Hein? Vous pouvez faire ça que si votre fixatif est retouchable parce que... S'il ne l'est pas, après ça, c'est plus possible de venir, de venir retravailler finalement. Donc, c'est un fond assez simple, hein? Rien d'extravagant. Mais, je voulais pas quelque chose non plus de trop... Moi, je voulais que ce soit les éléments qui ressortent dans ce dessin-là. Je voulais pas donner trop d'ampleur sur le fond, donc ça me convient comme ça. Là, vous voyez, hein, je passe mon doigt un peu partout. Je fais souvent ça avec mon pan pastel quand j'arrive pas à bien le fondre comme que je veux avec mes petits outils. Ben, j'y vais au doigt. Je travaille souvent avec mes doigts, moi. Bon, ok. Donc là, je vais peut-être essuyer mes mains en premier lieu. Donc là, je vais changer mon petit embout. Parce que, je crois que je vais mettre un peu de blanc. Voyons, j'avais pas trouvé un embout qui est bon. J'en ai 56 millions, je prends tout le temps un qui est sale. Bon, ok. Du blanc.
Donc, hein, le blanc, c'est le numéro 100.5 Titanium White. Il y a plusieurs blancs hein, dans les pannes pastel. Il y en a avec des paillettes aussi. Donc, je vais mettre un peu de blanc au travers de ça. Peut-être pour faire comme un petit effet, je ne sais pas. Plus tacheté, mais plus pâle. Je pense que je vais laisser ça comme ceci. J'aime bien le fait que ce soit assez sobre pour le fond. Par contre, je vais venir m'en faire quelques petits effets avec mon efface. Vous savez que j'adore faire ça. Donc, je vais chercher mon efface parce que, bien évidemment, je l'ai laissé au salon et je vous reviens. Bon, je suis de retour. J'ai trouvé mon efface et imaginez-vous donc que j'ai trouvé aussi mon postcard parce que je dis à ma fille qui était au salon, elle est en train de jouer à l'ordinateur et là je lui ai dit j'ai toujours pas trouvé mon postcard. Elle me dit ça serait pas ça par hasard? C'est elle qui l'avait. Et ça fait deux jours que je le cherche. Et oui. Là j'efface ce que j'ai fait l'autre côté parce que après quand je vais fixer, je vais avoir de la difficulté à l'enlever donc. Je fais mon nettoyage tout de suite. Bon, ben ça, ça part pas, ça vient de l'air. Ça doit être un autre matériau. Bon, OK, c'est quand même pas si pire, j'ai pas trop taché. Donc là, avec mon efface, j'aime bien faire ça. Je vais me faire des petits points. Tout simplement, je vais effacer pour faire des petits points magiques. Et là, comme vous allez pouvoir, je reste quand même dans mes couleurs mauves pour faire les petits points. Bon, désolé, j'ai dû changer la batterie de mon aiguisoir parce qu'elle n'aiguisait plus. Le pastel à l'huile, c'est jamais évident de venir faire ça dedans. Je trouve que ça s'efface pas toujours super bien, mais bon, ça se fait quand même. Ok, on va prendre les petits pinceaux. Là, ça m'a fait quelque chose de pas très joli ici. Hein? On va l'effacer. Là, j'ai envie d'essayer quelque chose. J'avais vu ça, je me rappelle plus trop sur quelle chaîne. Parce que je regarde beaucoup de chaînes de coloriage, mais ce n'est pas mon idée, sachez-le. Je suis désolée, je ne me rappelle plus c'est qui, mais il y avait quelqu'un qui avait fait un fond. Et moi, je regardais, je pense que c'était ses coloriages terminés. Elle n'avait pas fait en vidéo, puis elle avait expliqué comment elle avait fait ça. Donc là, j'ai envie de le tester. Elle avait dit qu'elle avait pris ses néocolores et qu'elle avait fait des ronds pour faire un genre d'effet bokeh. Donc, j'ai envie de l'essayer. Je vais l'essayer, on va voir ce que ça va donner, mais elles n'avaient pas aquarellé, donc je vais faire pareil. Donc, je vais prendre du mauve un petit peu, je vais prendre, moi je la boîte de 40, hein, des néocolores 2. Donc, je vais prendre le numéro 131 qui est le Pervenche Periwinkle Blue. Donc, je vais faire des petits ronds, voir si ça va fonctionner. J'espère que je ne ferai pas une gaffe. Mais elle l'avait fait et c'était super beau. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant, peut-être. J'essaie de faire des beaux ronds quand même. Je vais rajouter par-dessus mon pastel.
Ouais, ça fait pas comme, comme ce que j'avais vu, mais bon, c'est pas laid non plus. Je vais en rajouter peut-être une autre couleur au travers. Et là, les amis, j'ai réussi à faire un effet bokeh. Je vous avais dit que c'était quelque chose que je voulais améliorer, que j'arrivais jamais à le faire. Donc, je l'ai un peu pratiqué ce mois-ci et ben, je pense que c'est réussi. Donc, je vais vous montrer ça dans mes coloriages terminés. Je ne vais pas vous le montrer tout de suite. Donc, là, je vais en faire des blancs aussi, peut-être. Ça pourrait être intéressant. Donc, je prends le blanc, hein, des nouveaux Color 2. J'aurais peut-être dû faire directement ça au lieu d'effacer avec mon efface. Et je vais même me servir de mon néocolore 2 pour faire mon reflet sur ma cloche. Donc je vais prendre mon néocolore et je vais colorier ici. Je passe par-dessus tout, hein, parce que je veux que ça donne l'effet du vert. Il est très puissant, le blanc des néocolores. Je vais peut-être le frotter un petit peu. L'atténuer un peu, finalement. Là, ça, c'est bizarre, par exemple. Il faut pas que le reflet passe par-dessus ça, parce que ça, c'est par-dessus la cloche. Voilà, je vais même le faire sur l'autre côté. Je l'atténue au doigt, parce que hein, les néocolores, c'est tellement gras aussi qu'on peut faire ça. Voilà. J'aime bien ce que ça donne. J'en rajoute un petit peu ici. Une petite ligne. Je vais l'atténuer. Et là, je vais faire d'autres petits points. Donc voilà, je vais arrêter avec les néocolores. Maintenant, je vais venir faire mes effets blancs et je vais aussi utiliser du stylo gel hybride métallique mauve. Où es-tu? Je l'ai utilisé dans mes. Est-ce que celui-là il change au mauve? Non, il est vert. Je l'avais utilisé dans mon colo, hein, un peu partout. Où es-tu? Je cherche dans mon pot de stylo gel mon Pentel hybride mauve. Ok, je l'ai trouvé. C'est ici. Et là, dans pas long, il va falloir que je m'achète des Pentel hybrides parce que, bon, je me suis acheté des dorés, parce que c'est ceux-là que j'utilise le plus, mais les autres couleurs aussi ils commencent à diminuer. Donc, je vais devoir en acheter d'autres. Donc, je vais prendre mon Pentel hybride et je vais faire quelques points avec mon Pentel. Voilà, même chose au côté. J'essaie de ne pas accrocher non plus mon stylo gel tant qu'il n'est pas sèche. Parce que ça, c'est mon genre. On peut en mettre un ici. Ok, donc là, on va faire le blanc. Est-ce que ça vous plaît que je fasse un fond dans un vlog avec vous? Je sais pas.
Et après, je vais vous montrer les achats hein, que j'ai reçus. Donc, si vous êtes tanné de voir le fond, hein, vous pouvez avancer la vidéo. Mais bon, je trouvais ça le fun de faire ça avec vous. Et un effet vert, je pense que j'en avais jamais fait en vidéo. Là, je suis en train de brasser mon Posca. Je sais, je suis fatiguante. Je devrais peser sur pause quand je fais ça. Mais je le fais jamais. Donc, là, je vais m'assurer qu'il est bien parti. Parce que le blanc, moi, je le trouve capricieux un petit peu. Donc, je le pars tout le temps, je le rebrasse avant, comme s'il serait nouveau finalement. Donc là, j'espère que le stylo gel est sèche parce que sinon, ça va me faire du dégât. J'attends que ça sèche parce que c'est mon genre de m'accrocher dedans. Hein? Donc là, je vais faire l'autre côté. J'ai rien accroché, bravo! là, je me demande, est-ce que je fais une ligne ici ou je laisse ça comme ça? Je sais pas. Je vais peut-être faire juste une petite ligne ici. Et je vais l'atténuer tout de suite avec mon doigt. Ok, là je vais faire d'autres petits points complètement blancs au travers de ceux que j'avais déjà mis. Donc là, il me reste à contourner ma fleur, je vais le faire. Ok, donc là, j'avais oublié ici, le dedans de ma fleur. Donc, je le fais. Je suis en train de faire un color with me dans un vlog. Vraiment, là. Vous n'avez pas énormément de choses non plus à mettre dans ce vlog-ci. Donc, il fallait remplir, hein. Donc là, je vais faire ceux-là aussi. Donc voilà, je crois que c'est que tout ce que j'avais à contourner en blanc. Là, j'ai fait une petite tache. Donc là, ça, je ne sais vraiment pas. Je pense que je vais contourner avec mon Posca beige, celui-ci, là, qui est le numéro 45. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ma bille est bloquée. Bon, OK. Donc là, je vais m'assurer qu'il est bien correct. Oui, OK. Donc là, je vais contourner mes petits pinceaux. Bon, maintenant il faut finir, hein? Donc là, dernière petite retouche, vous savez, j'ai tout le temps quelque chose à rajouter. Je prends mon pentel doré, et là j'accroche mon Posca beige, bien sûr! Je suis pas capable d'attendre tout le temps, faut toujours que j'accroche, parce que j'attends pas jamais que ça sèche. Est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous accrochez toujours vos stylos gel, vos Posca, puis là ça vous fait plus de travail finalement, parce qu'il faut toujours venir retoucher et effacer les gaffes. Moi, ça m'arrive tout le temps. Donc là, je rajoute un peu de celui-là. Ici. On va en mettre un petit peu sur le côté. Moi, je le trouve tellement beau, là, ce stylo gel-là, vraiment. Le Pentel hybride doré. Je dis qu'il n'y a pas aucun stylo gel qui le bat. Mais bon, hein, c'est mon opinion. C'est mon préféré. Et puis, depuis que je l'ai essayé, je ne veux plus rien savoir des autres stylos gel. On va peut-être se mettre quelques petits points dans les fleurs.
Ouais, un petit effet dedans. Et voilà, les amis, je crois que mon colo dans le Saga Oxenor est terminé. Oui, c'est vrai, je voulais mettre un peu de... Vous voyez, j'arrête jamais. Je vais mettre un peu de ticule mauve. J'en avais mis dans mes potions, donc je vais en mettre un peu dans mes potions. Pas mes potions, mes parfums. Je vais en mettre un peu dans la fumée. Donc voilà, là c'est vrai que c'est fini, je ne touche plus à rien, je vais juste devoir fixer mon colo, hein, parce que c'est du pan pastel et si on ne le fixe pas, ben, il y en va en avoir partout. Donc je vais mettre ça de côté et là je vais vous montrer finalement mes trucs que j'ai reçus, réception d'hier et avant-hier. Donc je mets mon colo de côté, je vais le fixer, hein, vous pouvez le revoir dans mes coloriages terminés bien sûr. Donc, premier achat que j'ai fait, c'est chez Bureau en gros. Bon, vous savez que les trucs pour les rentrées scolaires sont sortis, donc ils ont sorti toutes sortes de crayons. Et j'ai vu ceci, c'est de la marque Crayola, c'est les premiers Crayola que j'ai. D'habitude, je n'aime pas cette marque-là. Mais bon, c'est 24 crayons et ils disent que c'est pour les couleurs peau, pour faire des personnages. Donc, bon, je vais vous montrer là, les peintes. Je les ai testés un petit peu et je ne les aime pas vraiment. Donc là, je vais vous montrer un peu sur une feuille là, rapidement ce qu'on peut faire avec. Je vais me prendre un portrait, mettons, d'Annaline. Et bon, je sais pas, peut-être parce que j'ai un petit peu... je sais pas, je suis comme un peu en haine avec la marque Crayola, moi. J'aime pas trop Crayola, à part ça là. Les Crayola super type, ça, je les aime. Mais c'est à peu près le seul produit de Crayola que je peux dire que j'aime. Donc, peut-être que c'est un peu à cause de ça. Mais bon, on va essayer tout à l'heure de faire un petit visage ensemble, voir si ça fonctionnerait. Pardon, j'ai encore allumé mes airs climatisés, donc j'ai encore mal à la gorge. Il fait super chaud. Ça fait deux fois qu'on a des vagues de chaleur extrême au Québec. Je suis tannée. J'ai hâte qu'il tombe la neige. Ça veut dire que j'aime pas l'été, hein? Bon, alors, première réception. J'ai reçu ce magnifique livre que j'avais vu sur la chaîne de Johanna Colo. Et c'est ma copine Mimi qui me l'a offert. Donc là, j'ai trois livres à vous montrer. Les trois livres que je vais vous montrer, c'est ma copine Mimi qui me les a offerts. C'était dans ma liste de souhaits et elle aime bien me faire plaisir. Donc merci, merci, merci mille fois, Mimi. Tu vraiment m'as fait extrêmement plaisir, encore une fois. Donc, c'est un livre de Jana Prosvirina. Je vous montre son nom parce que je suis sûre que je l'ai massacré. Et vous pouvez retrouver ces trois livres-là sur Amazon. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et moi, j'ai découvert ce livre-là sur la chaîne de Johanna Colo. Et puis, elle l'avait présenté. Et puis, vraiment, j'avais eu un coup de cœur, vraiment. C'est, l'Halloween approche. Et c'est toutes des sorcières. Et j'adore l'univers des sorcières. Donc, c'est sûr que j'allais craquer pour ce livre-là. Donc, c'est 25 images différentes. C'est du papier Amazon. On a un coloriage d'un seul côté. Mais vraiment, si vous aimez cet univers Amazon, vous pouvez toujours les photocopier et l'imprimer hein, sur du papier que vous aimez. Moi, ça me dérange pas de colorier sur le papier Amazon, hein. J'en ai tout plein des livres d'Amazon, mais bon, je m'adapte. Je prends les crayons qui vont bien dessus, comme les Prismacolor. Les Polychromos vont super bien aussi sur le papier Amazon. Les Caster Supply, les Black Widow, il y en a tout plein qui fonctionnent bien. Même les Brut Funeur vont bien sur le papier Amazon, donc moi, ça me dérange pas. Puis comme que je suis pas quelqu'un qui utilise vraiment des matériels d'eau, à part, mes petites aquarelles comme ça, ou... Mais Derwent Intense, là, ça me dérange pas. Quand je veux faire de l'eau, je fais juste les imprimer sur du meilleur papier. Donc, vraiment, il est super beau. Des beaux décors, des belles sorcières, des beaux visages. Et là, à la fin, vous avez tous les noms de chacun des dessins. Donc, je vous montre. Dans le fond, c'est des miniatures. Hein. Vous pouvez vous en servir de tracker. Moi, dans les livres de Annaline, au lieu de me casser la tête à mettre des trackers, je me sers toujours des miniatures et quand j'en ai fait un, je le bande. Donc voilà pour le livre de Witch Season de Jana Prosvirina. Mot impossible à dire.
Mais vraiment, il est magnifique. Donc, un gros merci à Johanna pour sa présentation. Ensuite, nouveau livre de Jade Sommer. Je les regarde souvent, les livres de Jade Sommer. J'en possède quand même une bonne quantité de les livres de Jade Sommer. Et Jade Sommer, ce n'est pas une illustratrice, c'est une compagnie. Hein. Un peu comme Coloring Even ou... Oui, c'est ça, Coloring Even? Les livres de Teresa Goodrich, c'est-tu Coloring Even? Non, je pense que je me mélange. Là, c'est... Je vais regarder, je vais vérifier pour pas vous donner une niaiserie, là. Mais est-ce que c'est vraiment Creative Even? Oui, c'est Creative Even. Donc, Creative Even, dans le fond, c'est plusieurs artistes qui publient avec eux. C'est un peu comme une compagnie. Donc, Jade Sommer, c'est la même chose. Donc, celui-là, c'est le nouveau, c'est le Country Summer et il est super beau. Je capote sur les images. Vraiment, c'est un peu... C'est mélangé. On peut autant utiliser ce livre-là pour faire des colos d'automne que des colos d'été. Vraiment, il est super beau. Un peu style champêtre, avec toutes sortes de belles images comme ça, des beaux décors. On a même des images avec des fruits, des légumes, voyez, comme ça. Et moi, j'adore colorier ça. Donc, vraiment, gros coup de cœur pour ce livre-là. Je vous dis, habituellement, les livres de Jade Sommer, oui, je les aime, mais il y a certaines images, des fois, que j'aime pas. C'est rare que je vais dire, j'aime toutes les images dans le livre, mais celui-là, là, il y a pas une image que j'aime pas. Vraiment, gros, gros coup de cœur pour ce livre. Et il est pas cher, en plus. Et dans celui-là, vous n'avez pas de doublons. Habituellement, les livres de Jade Sommer, on a toujours des doublons. Dans lui, on n'en a pas. Regardez ça, c'est beau. Je trouve que c'est chaleureux comme image. Là, je suis désolée si... Peut-être que c'est bizarre pendant que je vous présente mon livre, c'est que ma nièce arrête pas d'appeler sur mon téléphone. Et à chaque fois qu'elle appelle, parce qu'elle veut jouer avec ma fille, mais je lui ai dit, elle disait qu'elle t'appelle sur ton truc parce qu'ils jouent à des jeux ensemble sur l'ordinateur, puis ils peuvent se voir, mais ils s'appellent. Mais des fois, elle passe par mon téléphone. Mais quand je filme, je lui ai dit, tu peux pas prendre mon téléphone. Donc, dis à ta cousine qu'elle arrête d'appeler sur mon téléphone. Parce qu'à chaque fois qu'elle appelle, ça coupe ma vidéo. Donc là, ça se peut qu'il y ait des petites coupures. Donc, je suis désolée pour ça. Donc, je vais essayer d'aller rapidement là pour vous présenter le livre. De toute façon, comme je vous ai dit, si jamais ça vous intéresse, je vous le mets en barre d'infos. Si vous cliquez sur le lien, vous allez avoir directement toutes les images. Parce que quand on veut acheter un livre de Jade Sommer... Sur Amazon, il est présenté en entier. Donc, vous pouvez toutes regarder les images sur Amazon pour savoir si vous aimez le livre ou pas. Et là, je suis en train de vous montrer ça tout croche parce que le reste du livre est pas mal sur ce sens-là. Donc, je vous le montre. Et c'est 50 images différentes. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Regardez comme c'est beau. C'est tout mignon. Je l'adore, ce livre. Je capote sur le livre. J'aime pas trop le papier Jade Sommer, par exemple. Moi, j'aime pas les dos noirs, là. On dirait que le papier est encore plus désagréable que le papier Amazon normal. C'est peut-être dans ma tête. Mais bon, hein, comme je vous dis, je finis toujours par m'adapter. Ou ben sinon, ben je l'imprime sur un autre papier. Et puis, ben je peux venir directement le coller dans le livre au pire. Je continue de vous montrer ce magnifique livre. Vraiment, j'adore. Je ne sais pas ça combien de fois que je le dis, mais quand je l'ai reçu, je capotais. Vraiment, j'étais là, ça se peut pas. J'aime toutes les images d'un livre de Jade Sommer. C'est une première. Donc voilà, alors, Jade Sommer, hein, vous la connaissez probablement. Ben, vous connaissez probablement ces livres-là, puisqu'il y en a une panoplie de tous les goûts, toutes les sortes. Donc, je vous invite à aller voir si jamais... Ben, vous ne possédez pas de livre. Je suis vous accrochée. Coudon, c'est la catastrophe aujourd'hui pour faire la vidéo. Je vous invite à aller découvrir les livres de Jade Sommer. Voilà. J'en ai un autre à vous montrer en plus. Ça. Et là, les amis, prochain livre, je capote royalement. Mais c'est vraiment un livre de rêve. Je pensais jamais l'avoir. Et c'est, tadam, l'histoire éternelle de Disney. Vraiment, quand j'avais vu ce livre-là sur les autres chaînes, et je regarde souvent la chaîne de Coloricera, et elle a fait plusieurs vidéos où est-ce qu'elle colore dedans, et je trouvais ça tellement beau. Mais il est cher, hein, le livre au Canada. Donc, ben voilà, ma Mimi, elle me l'a offert, et vraiment, c'est un super beau cadeau, je capote. Et il n'y a pas une image que j'aime pas. Et vraiment, je vous le dis, là, quand
je commence une image aujourd'hui. C'est parce que là, je viens de terminer mon Sagar Exciner. J'attendais de le finir. Et là, bon, hein, je vous le présente, même si je crois que vous l'avez déjà vu. On l'a vu tellement tourner, ce livre-là. Mais c'est pas grave, j'ai envie de le regarder avec vous. Ça me permet de jaser un peu, hein, tellement ma mère. Et là, je suis même pas dans le cadre. Je présente un livre, pas dans le cadre. Donc, ouais, ben c'est ça. J'attendais de terminer mon colo dans le Sagar Exciner et j'étais impatiente de pouvoir commencer un colo dans celui-là. Et vraiment, je suis super contente. C'est mon plus beau livre Disney. Vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur. Je l'adore. Toutes les images sont belles. Les décors sont beaux. Vraiment, un super beau livre. Bon, c'est sûr qu'il y a quelques images qu'on peut retrouver hein, dans certains livres. Je vais vous les montrer là, comme ça. Ben, hein, on l'a vu souvent, cette image-là. Mais je pense que c'est typique de Disney, d'après ce que j'ai pu voir sur les autres chaînes. Plusieurs gens disent que bon, ça serait le fun des fois d'avoir d'autres images. Mais moi, je n'ai pas beaucoup de livres de Disney, donc ça me dérange pas, même si je retrouve des images de mes autres livres. Donc, voilà. Alors, je continue de vous le présenter en même temps de jaser. Je passe vite, hein, parce que comme je vous dis, on l'a vu tellement passer. Comme cette image-là, je crois qu'on l'a dans le Love Story. Sinon, vous allez voir, il y en a un autre là, qu'on a vu un peu partout. On l'a vu dans le Love Story, dans le bloc des tableaux. C'est l'image là de, je crois que c'est Réponse avec ses parents. Vous voyez, celui-là, il est dans le bloc tableau. C'est la même image, pareil. Donc, si vous avez beaucoup de livres de Disney, peut-être que ça va vous décevoir un petit peu, mais comme je vous dis, moi, j'en ai pas beaucoup, donc ça me dérange pas. Vous voyez, cette image-là, elle est dans le Love Story. Mais sinon, il y a quand même pas mal d'images différentes, et vraiment, cette image-là, ça, c'est ma préférée du livre. Je capote sur cette image-là, elle est tellement belle, et j'adore Moana, je la trouve tellement cute. C'est mon image préférée du livre, mais je les aime toutes, hein. Je vous dis, je les aime toutes, il n'y a pas une image que j'aime pas. Et là, depuis que j'ai mon livre Disney Who's Who, ben je ne suis plus une inculte, parce que quand je ne sais pas, je vais voir dans mon livre, et là, ben j'en apprends de plus en plus sur Disney. Et ben vraiment, c'est une super de belle découverte. Ah, oh, cette image-là est super, vraiment, je capote. Et là, ben je veux m'acheter le livre des vilains, qui est dans le même format que ça. J'ai l'impression, on dirait que c'est comme une suite, je sais pas, moi je vois ça comme ça. Donc je veux m'acheter le livre des vilains et ça ne devrait pas tarder. Je vais probablement me l'acheter ce mois-ci, donc je vais voir là. Selon mes sous, hein, bien sûr, c'est toujours une question de sous. Mais j'aimerais bien m'acheter le vilain. Et là, ben on a des kits de correspondance, hein, comme la plupart des Disney nous mettent toujours des kits de correspondance. Donc vraiment, super beau livre, je capote, je l'adore et je vais l'avancer vraiment. Ça va être un objectif pour moi d'avancer ce livre-là parce que il est trop beau. Il est trop beau et je vais prendre bien mon temps parce qu'il est précieux et puis je veux pas en rater aucun. Donc vraiment, merci Mimi, je suis super contente, mais tu le sais, hein, je t'en avais parlé. Donc, un autre petit produit, et là, cette fois-ci, c'est moi qui l'ai acheté, je l'ai trouvé chez Michael, c'est le Snow Writer. Donc, peinture dimensionnelle, et ça serait pour faire des effets de neige. Donc là, c'était vraiment pas cher, hein, 4$ le produit, et c'est un 59 ml. Je pense pas qu'on va en utiliser énormément dans l'écolo, donc je pense que ça va durer longtemps, et comme ben la période de Noël approche à grands pas, ben je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Donc, je vais le tester avec vous, et là, on va tester les Crayola. On va tester ça dans mon livre de test, Magical Dawn. Et là, je vais choisir une image où est-ce qu'on a un visage. J'en avais vu un. Celui-là. Et vous voyez, j'avais fait un test d'aquarelle, vraiment pas réussi. Mais bon, c'est un livre de test, je l'utilise pour ça. Donc là, Crayola, qu'est-ce que ça vaut? Les Crayola avec... pour couleur portrait. Et là, c'est 24 couleurs et c'était, je pense, 5$ là, le paquet. Là. Vraiment pas cher. Hein? Les produits Crayola, ça ne sont pas des produits dispendieux. Donc, je vais commencer. Hein? Je vais me choisir une teinte. Dans le fond, le crayon est à peu près même diamètre que les Prismacolor. Vous avez Color of the World décrit dessus avec la marque Crayola.
Ensuite, c'est écrit la couleur et est-ce qu'il y a un numéro? C'est écrit en doré. Je déteste quand ils mettent du doré sur les crayons. Ça fait super beau, mais on voit rien. Donc, non, il n'y a pas de numéro, il y a juste la couleur d'écrit. Donc, lui, ce serait rose extra foncé. Rose. Moi, j'ai l'impression que c'est brun, mais bon. Mais on ne voit pas toutes les choses de la même manière. Donc, je vais commencer avec celui-là. Oups, je suis en train de faire des dégâts. OK. Je vais commencer avec lui. On va tester. Est-ce qu'on est capable de faire une peau avec ces crayons-là? Je trouve qu'il sature vite le papier. Donc, est-ce que c'est vraiment l'idéal pour faire des peaux, les crayons-là? Je sais pas. Parce que moi, les peaux, j'ai tendance à souvent venir retravailler tout le temps. Je suis toujours en train de faire des retouches. Parce que, bon, je suis pas la professionnelle des peaux et ben souvent, je suis pas satisfaite non plus de mes peaux. Mais bon, hein, il faut pratiquer hein, pour s'améliorer. C'est pas ce que je préfère colorier non plus. Hein, fait que... Donc là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous fais un peu d'avance rapide? Parce que j'ai l'impression que ça dure une éternité. Et le vlog va durer une éternité. Parce qu'il y a d'autres choses en plus dans le vlog. Donc, est-ce que je fais de l'avance rapide pour vous montrer la peau, pour que vous puissiez voir un peu comment ils se travaillent, les crayons? Ouais, c'est ce qu'on va faire, je pense. Je vais vous laisser regarder et je vous reviens après pour vous donner mon avis. Là, je m'arrête là. Parce que, ben, je les aime pas. Tout simplement, je ne les aime pas. Je trouve qu'ils se mélangent pas bien. Ils saturent très, très vite le papier. Donc, c'est vraiment pas idéal pour faire des peaux. C'est mon avis personnel, hein. C'est peut-être difficile. Ça se peut, mais je sais pas. J'ai un problème avec crayons-là. Moi, j'aime pas. Premièrement, j'aime pas la gamme de crayons. Je l'ai déjà testé. Par le passé, hein, bien avant d'avoir ma chaîne YouTube, et bon, je les aimais pas, donc, ben, au moins je les aurais testés, parce que j'avais vu, je crois que c'était ma copine Simone, mais je suis pas sûre qu'elle avait acheté ça. Elle l'avait présenté, mais je me rappelle plus si elle disait que c'était bon ou si elle les aimait, mais bon, hein, comme je vous dis à chaque fois, les goûts, ça se discute pas, et moi, ben non, je les aime pas, je préfère utiliser mes Black Widow 100 fois mieux pour faire les peaux, là, vous savez, ces deux kits-là, je trouve qu'ils sont vraiment mieux, ils sont pas dispendieux, hein, quand même, ils sont assez abordables, et moi, je les adore pour faire des peaux, mais ça, bouf, non. C'est pas pour moi, mais bon, j'aurais testé au moins avant de dire que le produit n'est pas bon. Ben, selon moi, hein, il y a peut-être des gens qui aiment ça, mais moi, je les aime pas. Donc, je vais pas m'attarder là-dessus plus longtemps que ça. Donc, là, je vais vous montrer le petit produit Snow Writer. Et après, je vais devoir m'arrêter parce que là, c'est l'heure que j'ai préparé le souper.
Et je vais terminer le vlog ce soir. Je crois que j'ai pas mal de contenu assez là, pour que ça fasse un bout que je suis avec vous. Et ben, je vais terminer le vlog ce soir. Je vais vous montrer quel colo je vais avoir choisi dans mon merveilleux Histoire éternelle. Et ben, je vous montrerai un petit peu mon avancée. Et je vais aussi vous montrer la série hein, que je vous parle. Ben, c'est pas vraiment une série, c'est plus une série de films. C'est trois films, c'est une trilogie. Et ben, je vais vous montrer ça sur Netflix. Et je compléterai le vlog ce soir. Donc là, je prends... bon, ça, c'est un autre livre de test que ça fait longtemps, longtemps, longtemps que j'ai ça. Je l'ai en double. Mais bon, Joanna Basford, j'en colore de moins en moins. Je trouve que les colos sont trop longs à faire. Et puis, je vois tellement de beaux colos sur Instagram. Bon, là, c'est quoi? Là? Tu veux pas sortir? T'es bouché? Je vois tellement de beaux colos sur Instagram qu'on dirait que ça m'intimide de faire du Joanna Basford maintenant. Parce que les gens, ils rajoutent des choses dans les colos. C'est super beau. Donc, je sais pas, on dirait que ça m'a comme créé un blocage en colorier. Mais bon, c'est pas grave. On développe nos goûts à force de colorier. Et ben, on finit par savoir ce qu'on aime, ce qu'on aime moins. Et quand j'ai recommencé le coloriage, ben j'achetais tout, hein. À part le World of Flowers de Joanna Basford et le dernier là, qui est sorti, là, le... C'était quoi donc le nom? World, là, quelque chose là, de Joanna Basford. Je vous l'écrirai dans l'écran. Je me rappelle plus là, exactement. Bon, ces deux-là, je les garderai, mais peut-être que le reste de la collection, je ne sais pas si je vais les garder. Parce que, ben, comme je vous dis, je ne colorie pas vraiment dedans. J'aime bien Ivy le papillon d'encre aussi. Je pense que j'ai colorié un colo dedans. Bon, je l'ai débouché. J'espère que ça va marcher. My God! Est-ce que c'est un bon produit? Je ne sais plus, là, hein? Je l'avais testé, moi, toute seule, et il fonctionnait. Et là, je ne sais pas pourquoi. On dirait que l'embout est complètement bouché, que ça ne veut pas sortir. Parce que c'était super cool. Quand je l'avais testé, ça faisait vraiment l'effet de la neige. Là, ce serait juste de peut-être rentrer une aiguille dedans. Parce que si je... Ah, OK, j'ai réussi à le faire sortir un peu. Si je coupe l'embout, j'ai peur qu'il ne fonctionne pas bien après. Donc là, je vous montre l'effet qu'on peut faire. Là, c'est sûr, si je mets une aiguille dedans, il va bien fonctionner. C'est un peu comme les sticules, hein. Des fois, ils se bloquent. Donc, on passe une petite aiguille dedans. On ne coupe pas les embouts. Parce que si vous coupez les embouts, vous allez le bloquer à tout jamais. Donc, on fait juste passer une aiguille quand vos petites bouteilles vous font ça. Et ben, habituellement, ça revient. Donc, vous voyez, ça fait vraiment un effet texturé, hein, puisque c'est écrit peinture dimensionnelle. Et moi, vous savez ce que je ferais? Je mettrais ça et je saupoudrais avec des paillettes pour faire mon effet de neige. Donc là, je vais me prendre des paillettes... en poudre. Donc, ceux-là, c'est de Craft Décor. Hein. Vous pouvez trouver ça dans les Doloramas. Il y en a un peu partout, hein, de la paillette en poudre. Donc là, je vais m'en mettre un peu dans les doigts et je vais le mettre dessus. Parce qu'il n'y a pas de paillette du tout dedans. Hein. C'est vraiment mat. Et moi, c'est ce que je ferais avec ce produit-là. Et ça va rester dimensionnel, un peu comme les Liquid Pearl, là, vous savez, là, ces petites bouteilles-là. Là. Ça garde un peu de relief, pas énorme. Ça ne va pas rester super en relief, mais quand même, ça garde du relief et moi, je trouve ça super le fun. Bon, peut-être pas utiliser dans des colos recto-verso, à moins que vous ayez fait l'autre colo derrière, ben là, vous pouvez le faire, mais peut-être s'assurer d'avoir fait le colo avant. Donc là, je vous montre de plus près ce que ça donne et moi, je trouve ça super le fun, ce petit produit-là. Vous voyez, ça fait vraiment, je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait vraiment un effet de relief et je trouve que ça peut être super le fun pour faire des effets de neige. Donc, mettons, dans les clairons Marcovent, on veut transformer un colo en hiver. Bon, on peut mettre ça sur les baies, sur les champignons. Vraiment, super produit. Je vais essayer de voir si je peux vous le trouver sur Amazon. Sinon, pour les gens du Québec, mais moi, je me l'ai procuré chez Michael et vraiment à un prix, là... vraiment pas cher, il était 4$.
Donc voilà les amis, j'ai fait le tour de tous mes achats. Donc là, comme je vous dis, je vais devoir m'arrêter. Je vais aller nourrir la famille. Et ben, je vais vous reprendre en soirée et on pourra conclure le vlog de cette façon-là. Donc ben voilà. Donc je vous dis à bientôt. Ben, pour vous, c'est instantané, hein? Donc, je vous retrouve en soirée. Donc, voilà le colo que j'ai décidé de faire dans mon livre Histoire éternelle, hein, que je vous ai présenté un peu plus tôt. Donc, j'ai décidé de faire Mulan. Donc, j'ai fini mon arbre. J'ai fait le banc et puis tout le personnage. Le banc, vous allez l'avoir en tuto parce que je vous ai fait un tuto pour l'effet marbré. Bon, c'est pas le plus beau effet marbré qui existe, mais quand même, je trouve que ça fait bien l'effet. Donc, j'espère que ça vous plaira. Ce sera peut-être avant le. Peut-être que le tuto sera sorti avant le vlog, je ne sais pas. Donc là, ben, je vais faire mon fond. Il me reste à contourner ici là, mon bambou. Et ensuite, ben, faire quelques petits effets dans le gazon. Je crois que je vais me faire un petit effet luciole un petit peu au travers. Et là, je sais pas, là, qu'est-ce que je fais avec le fond? J'ai envie de faire un coucher de soleil avec les Carbotello. Et là, vous voyez, j'ai foutu le bordel dans mon salon. Il y en a partout. Donc, j'ai descendu mes Carbotello. J'ai pris du stickle. Je sais bien que Mulan n'a pas de brillant, mais moi, je vais lui mettre une petite touche de stickle sur son vêtement. Je pense que ça pourrait être beau. J'aime bien des fois modifier un petit peu les Disney. Ça m'amuse. Donc, je crois que je vais faire ça. Donc là, ben, je vais changer l'angle. Ben, plutôt, je vais zoomer sur la télévision et vous montrer justement les séries de films que je vous parlais tout à l'heure. Donc, on passe plan télévision. Donc, nous revoici plan télévision. Et là, on est dans ma liste de films, de séries que j'ai envie d'écouter. Et voyez, c'est ça que je vous parle. Fair Street. Je vais zoomer un petit peu. Ça, c'est la partie 2. Il y a la partie 3. Et là, où est-ce qu'elle est la partie 1? J'espère qu'ils ne l'ont pas enlevée de Netflix. Vous voyez un petit peu ma liste d'envie, de ce que j'ai envie de regarder. Et là, je ne trouve pas la partie 1. Elle est où la partie 1? Allez, au deux. Je la trouve pas. Si je vais là-dessus, est-ce que je vais avoir la partie 1? Allô? C'est pas terminé. Vous êtes notre seule Ben voyons chance. Il pourquoi est j'ai temps pas d'y la mettre partie fin. 1. En Ça tout a cas, commencé bon, depuis il y a la des partie 1, il y a la partie 2 et la partie 3, là. J'espère que Netflix, ils ont pas enlevé. J'ai peut-être attendu trop longtemps avant de les écouter, mais bon, c'est de ça que je vous parlais et je me suis dit, ben, pourquoi pas passer plan télévision parce que je me rappelle jamais des titres. Donc, je crois que je vais commencer ça. Je vais commencer la partie 1 ce soir. On verra si j'ai le temps d'aller un peu plus loin. Vous voyez, ça dure 1h50 pour la partie 2 et on a 1h54 pour la partie 3. Je ne sais pas combien de temps dure la partie 1, mais on verra bien. Donc, je vous en reparlerai peut-être dans d'autres vidéos prochainement de ce que j'ai pensé de cette série de films-là. Donc voilà les amis, je crois que c'est tout pour ce vlog-ci. Je vais continuer ma Mulan et vous pourrez la voir dans mes coloriages terminés du mois. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de me rejoindre dans la banque Colo de Zazou qui est sur Facebook. C'est mon groupe de coloriage. Ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.